Vivez l'expérience pays avec les professionnels du tourisme de la Réunion. C'est un parc naturel. La luge a été implantée au sein des plantations, tout en préservant, bien sûr, l'environnement. Bonjour, je m'appelle Delgar Jean-Marie. Nous nous trouvons à 1500 mètres d'altitude, au Maïdo. Le parc s'étale sur 3 hectares environ. L'activité principale, c'est la luge. C'est très simple. C'est sur un petit chariot monté sur 4 roues qui glisse sur un tube inox. Pour être tout seul sur la luge, il faut être âgé minimum de 10 ans ou 1m40. Sinon, les enfants de 2 à 10 peuvent être accompagnés d'un parent ou d'un adulte. Ce qui est intéressant, c'est que cette activité touche la famille. Tout le monde peut en faire. Même on reçoit quelquefois des personnes handicapées, on les accompagne pour pouvoir en faire. C'est plus facile que de faire le vélo. Vous faites une remontée d'environ 150 mètres par un tiacab. Et par une inertie, vous descendez la piste et vous freinez à votre rythme. C'est une sensation de vitesse, de liberté. On a une vingtaine de luges et avec une distance de sécurité de 30 mètres, on envoie les luges les unes derrière les autres. Le quad, c'est une sensation, on va dire, c'est le mix entre la voiture et la moto. Et ça permet de découvrir donc les hauts de l'île en étant en pleine liberté. On a plusieurs circuits sur le quad. On a un circuit d'initiation aux abords, donc plus bas que la luge. Ensuite, elle peut faire des randonnées de 20 minutes, une demi-heure, une heure. On peut aussi initier les personnes au tir à l'arc. On a 2 pas de tir à l'arc, on leur donne des consignes et ils font quelques tirs pour s'amuser. Au sein du parc, on peut faire également une balade de poney pour que les jeunes puissent découvrir un animal. Bien souvent, les gens viennent pour la journée, ils font les loisirs et ils peuvent se restaurer au sein du restaurant qui se trouve donc près du bassin. Ils peuvent manger les plats créoles, les menus enfants. On fait également le dimanche un buffet. N'hésitez pas à venir découvrir les activités des hauts. On vous attend et vous invite pour un accueil chaleureux. Retrouvez toutes les informations dans les offices de tourisme et sur réunion.fr. Vivez l'expérience pays avec les professionnels du tourisme de la Réunion.